c'est excellent. Honnêtement, c'est excellent. Est-ce que j'ai visité ici? J'ai pas visité ici. Il me semble pas. Petite salle de bain. Voilà, swag. Avec un faux plafond pour l'éclairage. À l'aise, moi, j'ai envie de dire. Oh, un bureau quand même. Avec un lit incrusté dans un... dans un canapé, je sais plus comment on appelle ça. Oh, une étagère en Azorak, comme ça à l'intérieur, c'est sympathique. Oh, d'accord, on retourne ici du coup. Ah, d'accord, oh la vache, d'accord, on a fait tout ce tour là, d'accord, ok, c'est super sympathique comme maison, j'adore. Oh la vache. Autant que sur le truc de Mr. Fruit Tree, c'était vraiment sympathique, il y avait quelques astuces, autant là c'est vraiment un très gros travail de fond qu'il y a eu sur cette maison. J'avoue, c'est vraiment stylé. Alors, il me semble que j'avais pas vu ce qui avait été fait par là-bas, ça serait dommage de louper quelque chose, quand même, de cette maison, parce qu'elle a eu un énorme travail. Donc c'était ici, vous voyez, j'étais parti par là, hop, maintenant par ici, avec toujours... un travail de bassin un petit peu partout sur la maison à différentes hauteurs. Donc ici c'est plutôt une aire de pique-nique à proprement parler, a priori, avec un petit sentier, j'ai l'impression, un petit sentier de balade. Oh, et qui passe au-dessus de la flotte et tout. Oh, oh, mais c'est excellent, avec un petit canapé. Et YOLO, tu prends... Attends... Merde, j'ai plus Optifine. Ah ben non, c'est vrai que je l'ai viré pour les shaders. Attendez, j'ai envie de... J'ai cru voir un truc là-bas. Sous la mer. D'accord, il a fait un accès. Oh, on verra ça tout à l'heure. Il a fait un accès. Le petit Saligo, il a fait un accès. C'est génial. C'est tellement bon. Les boules de neige aussi, c'est pas mal pour montrer ce qu'on veut. Pour montrer ce qu'on regarde. J'ai l'impression que on est déjà venu ici. Si je dis pas de conneries. Ouais, il me semble qu'on est déjà venu. Ok. Ah, c'est vraiment stylé, hein. Avec les poutres du toit qui cache en fait une entrée par ici. C'est stylé. Franchement, j'avoue, là, je suis sur le cul. Pyong, gros GG. Alors, où est-ce que ça nous mène ce truc-là? Qu'est-ce que c'est censé être ce truc? Je sais pas, une base d'atterrissage pour l'hélicoptère, peut-être, à la limite. J'en sais rien. Ah, peut-être. Je sais pas. Ou alors, peut-être que c'était là le spawn originel de la map. Ah, c'était peut-être là, du coup. Ok. Du coup, on va... Bah là, je suis déjà passé, hein, quand même. Je vais pas être un petit peu trop répétitif, peut-être. On va visiter donc la dernière partie de la maison, ainsi que la partie submergée, ce qui est sous la flotte. Donc, on repasse par notre petit escalier de tout à l'heure. Et on va visiter... oh, putain, un petit coin sympa, ici, avec la... Un petit aquarium sur le côté. Sympathique. Ok, donc là on descend encore davantage, on atterrit sur une salle de bain, ma foi, avec le sol en lapis lazuli. Cool. Bon, un mur à éclairage assez, assez banal pour le coup. Alors, cette maison-là alterne vraiment les grosses astuces bourrines avec les tout petits trucs hyper simples. C'est... Me dis pas qu'il a fait un système d'égout, le mec. T'es sérieux? Ah, vache.
Putain. Excellent. Franchement. Marianne, Jack. Oh. Ok. Ah, ça c'est stylé par contre. Le petite douche isolée du reste de la de la salle de bain. Ça j'avoue, c'est plutôt stylé. On va essayer de finir cette visite sur truc de trouver en fait les endroits où ça descend dans la flotte. Je sais pas où c'est, j'arrive pas à trouver. Ah! Ah! On descend sous l'eau! Sous l'océan! Sous l'océan! Tout le monde est heureux, il n'y a pas de... Je sais plus quoi. La chanson de Disney, là. Dad billard! Sous la flotte! Oh putain! Mais c'est tellement bon! Le billard sous la flotte, quoi. Ah, mais paye-toi le luxe! C'est abusé! Ah, oh, la vache! C'est excellent! Je dis ça tout le temps, mais. Le mec a tellement bossé, il y a tellement de trucs à voir à l'intérieur, il y a même des pièces cachées et tout. Oh là 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 là, c'est excellent, c'est énorme. C'est franchement énorme. Alors du coup, comment je fais pour aller jusqu'à la petite truc là-bas, tout caché? Petite moment de réflexion. Ok, donc là je pénètre dans le nouveau bâtiment qui a toujours une piscine quasiment au même niveau que la mer. Donc, du coup, on a l'impression de nager dans l'océan directement. Putain, c'est pratique ça quand même. C'est quoi ce machin? On dirait un bar. Vous savez, un bar qui est directement dans les piscines comme ça. Ça, c'est stylé aussi. Oh là là. Oh! 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 Ah oui, d'accord, mais je pète mon bateau. Eh, je pense qu'il y a quand même moyen de passer sans péter son bateau. Allez, allez, monte, 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 monte. Oui! Ah, oh, c'est excellent! Ah, mais c'est excellent! Comment je sors? Sneak, ok. Ah, mais c'est excellent! C'est trop excellent! Normalement, j'aurais pas dû passer comme ça. Je vais essayer de trouver l'entrée normale. Donc ici, petite cuisine. Normal, ok. Donc j'étais passé par là. Un sauna, voilà, lol, avec une téloche ici en plein milieu. Je suis pas sûr que ce soit une téloche. On va dire que c'est une téloche. Voilà. Parce que. Comment je fais pour descendre? Ok. Comment je fais pour descendre? Bon, tant pis, je vais y aller comme ça. Et je trouverai bien la sortie. D'une manière ou d'une autre. Hein. Oh, c'est stylé ça aussi, ce jeu d'ombre et de lumière avec les demi-blocs et les escaliers de bois. Putain, mais c'est excellent. Avec toujours les portails de l'Ender en dessous les vitres. Bonne petite idée. J'aime bien cette ambiance-là que donne le bois avec la glowstone. Sérieux, c'est sympathique. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça fait bizarre. C'est une bibliothèque, on dirait. Avec un petit coin PC. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être une petite bibliothèque. Ok. Ah non, c'est carrément une grosse bibliothèque, en fait. Ah, mais c'est carrément un hôtel de vacances. Comment on appelle ça? Un truc comme genre le Club Med ou genre de truc. On dirait carrément ça en fait. Ah oui non d'accord, ça mène nulle part, ça mène pour les bibliothèques en fait. D'accord.
Ok, donc du coup, tout ça ne m'explique pas comment je fais pour aller en dessous de la flotte, pour rejoindre l'autre truc qui est au milieu de la mer là-bas. Est-ce que je suis allé par là? Non, je suis pas allé par là. Non, monsieur, les colonnes de flotte sur le côté qui passent dessous et qui fait penser que la table est genre une petite île en plein milieu de d'une pièce. Mais c'est... Putain, mais ça aussi c'est trop... Oh! Et toutes les splash potions qui ont été mises, quoi. C'est tellement excellent. Est-ce que si je vais par là... Non, ok, c'est bouché. Hop, et ici, on arrive sur la terrasse. Ok, donc classique, hein, là, pour le coup. Ok. Hop. Par où dois-je aller pour... Qu'est-ce que c'est ce truc? Pour retrouver la... La ville sous la flotte, là. Ça, c'est une bonne question. D'accord! Ok, donc j'ai réussi à retrouver le passage pour aller jusqu'ici. Maintenant, je vais cheater, hein, tant pis, parce que j'arrive pas à trouver le passage pour aller... Sur cette petite machin. Ah, mais il y a deux couches. Ok. Qu'est-ce que c'est donc que ce machin? Oh, ça va, là, mon petit trésor. Et on est censé y aller comment? Ce truc-là, du coup, parce que je sais toujours pas, moi. Ok. What? Maria and Jack. Attends. Comment je suis censé savoir qu'il y a un truc ici, moi? Y a un piston quelque part? Ah! C'est excellent. Le mec a vraiment pensé à tout, quoi. Ah, oh, d'accord. Oh là 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 là. Et je suis sûr, je suis loin d'avoir découvert tout ce qu'il y avait, hein. Vous pouvez vraiment télécharger la map vous-même et en profiter pleinement là. Donc là, je pense qu'on en a fini avec cette visite parce que sinon, ça va vraiment s'éterniser. Franchement, très bonne map. Il n'y a rien à redire. Voilà, c'est génial. Que dire de plus? Voilà, c'est génial. Sur ce, moi je vais vous laisser. Hop. Je vous souhaite un très bon jeu à tous. Bon, on va en matelot. Et à la prochaine pour, je pense, une prochaine visite de maison moderne. Encore une fois, hein, parce que j'ai pas le temps de faire autre chose pendant le mois de juin. Je suis désolé. Et on se retrouve donc la prochaine fois. Salut tout le monde. Bon jeu à tous. Bon vent matelot. Et à la prochaine.